Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la poursuite de notre série sur l'agroalimentaire de chez nous, en Appalaches, il me fait plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Carole Mercier, qui est conseillère en développement à la Société de développement économique de la région de Thetford Mines. Bonjour, Carole. Bonjour, Karine. On se connaît, nous, hein? Oui, effectivement. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi. Oui. Écoute, c'est quoi ton rôle là, par rapport au secteur agroalimentaire là, dans la MRC? En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne, en fait, le comité de développement agroalimentaire des Appalaches, comité qui est en place depuis le début des années 2000, qui était formé principalement de gens du secteur de l'UPA et maintenant qui est formé de différents représentants d'organisations qui ont un intérêt à voir le secteur agroalimentaire se développer. On pense à des élus, au cégep, la commission scolaire... bien sûr, nous, il y a la SADC, différentes organisations comme ça. Et le rôle de ce comité-là, en fait, c'est justement d'assurer que les actions qui sont inscrites dans le plan de développement de la zone agricole, mais que ces actions-là, ces projets-là puissent voir le jour. Alors, mon rôle, moi, c'est de les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets-là. Dont le projet dont on va se parler aujourd'hui, là, qui oui, est le centre le rôle, de transformation. Oui, c'est ça. D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, le plan de développement de la zone agricole, on en a un exemplaire ici. Il est disponible sur le site de la MRC, le site web de la MRC. Un super document, même pour n'importe qui. Hein. C'est très intéressant oui. de le lire. Donc, le rôle de la SDE, peux-tu me l'expliquer, le rôle de la SDE par rapport au plan de développement de la zone agricole? Ça s'en va... Ça veut dire que toi, tu es là en tant que représentant de la SDE pour aider à mettre en place les stratégies d'action et la vision du PDZA, comme on oui, dit. Oui, exactement. D'accord. C'est okay. ça mon rôle. Et là, tu es particulièrement impliqué dans le centre de transformation agroalimentaire. Oui. Alors, c'est quoi ça? Un centre de transformation agroalimentaire. Bien, en fait, un centre de transformation agroalimentaire, comme on l'a conçu ici pour notre région, c'est un endroit où les producteurs, les agro-transformateurs, dans le fond, parce que il y a certains producteurs qui ne font que de la production, et il y en a qui ont un intérêt pour aller en transformation parce que ça apporte une valeur ajoutée mm-hmm. à la production. Donc, ce centre de transformation-là, c'est une possibilité de louer des unités de transformation pour justement faire de la transformation. Et les équipements sont collectifs, c'est-à-dire que les gens vont louer les espaces et les équipements dont ils ont besoin. Et ça va leur permettre justement de faire la transformation de leurs produits. Et dans le centre de transformation agroalimentaire, comme je disais, comme on l'a conçu ici, c'est qu'il y aura deux unités de transformation. Une qui va servir pour tous les fruits, légumes, boulangerie, pâtisserie, tous ces produits-là. Et une distincte pour les viandes, parce qu'on le voit dans le portrait du secteur agroalimentaire. C'est un des éléments forts de notre territoire, mm-hmm. la production des viandes. Fait qu'on a voulu réserver une unité expressément pour ce secteur-là. Et donc, c'est les deux possibilités là, qu'on va offrir pour les agro-transformateurs de notre territoire et des MRC voisines. OK. Alors, si on donne un exemple, là, tu peux, mettons que tu le sais, là, j'ai des vaches chez nous, là, mm-hmm. je commence une production. J'aimerais faire la transformation de viande. Donc, comment ça peut fonctionner là, pour moi? Je vais te voir, je te dis, bon, ben Carole, j'ai de la viande, j'aimerais faire des pâtés, j'aimerais faire des saucisses, etc. Oui. Et là, comment ça marche? Tu vas me dire, bon, ben c'est beau, tu dois appliquer à tel... Je veux dire, j'ai aucune formation. Est-ce qu'il y a une formation, un accompagnement? Oui. Est-ce que... En fait, premièrement, ce que le centre... Je dois, dans ce cas-là, te dire que ce que le centre ne fera pas, c'est toute la partie qui précède, c'est-à-dire l'abattage, la découpe, tout ça.
tu arrives avec ta viande qui est déjà toute prête. Et c'est là que le centre de transformation va... il va y avoir quelqu'un qui va être, je dirais, un technicien au niveau de la transformation alimentaire. Donc, qui va avoir toute la formation nécessaire. Fait que toute la question d'hygiène et salubrité, mm-hmm. l'obtention de ces permis-là, c'est le centre qui va les posséder. Okay. Par contre, c'est certain que toi, ce que tu vas devoir faire, c'est développer tes recettes. Oui. Parce que, tu sais, tu ne veux pas proposer les mêmes produits qu'on retrouve sur le marché. Alors, dans ce sens-là, le rôle du centre de transformation, ça va être aussi de te guider pour que tu développes tes produits, pour qu'au bout du compte, ils puissent avoir une niche particulière sur le marché, que tu te distingues des autres et que tu puisses les mettre en marché, justement. Donc, l'accompagnement va être du début de ton arrivée jusqu'à ce que ton produit se retrouve sur les tablettes. Alors, si c'est de la formation que tu as besoin, si c'est du référencement à des organisations qui peuvent t'accompagner, exemple, au niveau des tests de goût, etc., on va te faire travailler, exemple, avec Syntec ou d'autres organisations de cette nature-là. Fait que c'est vraiment une plaque tournante où la personne va être accompagnée pour de son produit jusqu'à la mise en marché. Alors, c'est vraiment une offre très, très globale qui va être offerte avec le centre de transformation, en plus de tous les équipements qu'on va retrouver dans chacune de ces unités-là, c'est-à-dire, tu sais, il peut y avoir des embouteilleuses, des selleuses, des tables de découpe, des locaux réfrigérés pour garder les produits. En fait, il va y avoir vraiment de tout. Tu sais, on pense à des... tous les équipements, en fait, là, qui peuvent justement permettre de rendre ton produit sur les tablettes, l'étiqueteuse, une autoclave pour les produits en conserve. Alors, c'est des équipements qui sont très coûteux à acheter. Oui. Quand on dit répondre aux normes, c'est les espaces qui sont coûteux et c'est l'achat des équipements. Alors, l'idée de le rendre collectif, c'est que ça peut servir à tous les producteurs. Et c'est souvent le problème, quand tu es un plus petit producteur, ben tu n'as pas nécessairement les moyens d'acheter tous ces équipements-là. Et là, on avait des demandes et on se disait, c'est dommage parce que ça permettrait de faire émerger des nouvelles, peut-être des nouvelles productions, des nouveaux produits, des nouvelles entreprises aussi dans notre région. Donc, de vitaliser, de dynamiser le secteur agroalimentaire puis de lui donner encore une plus grande place, je dirais, au niveau de l'économie de notre région. Parce que, tu sais, notre deuxième question hein, dont on s'est parlé, ça serait justement de creuser d'où vient cette idée-là. Là. Comment ça a parti, cette idée-là? Là? Bien, en fait, c'est, je vais vous dire concrètement, la première personne qui nous a appelé pour une demande, c'est quelqu'un qui avait besoin d'acheter un logiciel pour le calcul des valeurs nutritives. Et c'était trop cher à acquérir. Fait qu'elle m'a appelé au bureau, puis elle a commencé à me parler de ça. Malheureusement, on n'avait pas les argents, les fonds spécifiquement pour aider dans un cas comme ça. Et de fil en aiguille, un autre producteur nous parle d'un besoin pour acheter un autoclave, qui est encore là un équipement très coûteux. Et on se disait, mon Dieu, on n'a pas les réponses à ces besoins-là. Et on a fait une première étude de marché, une toute petite étude de marché localement dans notre MRC pour réaliser qu'il y avait des besoins pour des équipements collectifs. Et c'est comme ça que le projet a commencé. On a fait cette première étude-là. On a voulu faire des demandes financières du côté du MAPAC pour financer un éventuel petit centre de transformation. Et ils n'avaient pas l'idée à ce moment-là de faire un centre de transformation par MRC. Ils ne voulaient pas s'embarquer dans ça. Alors, ils ont dit, on va en faire un par grande région administrative, donc un pour tout Chaudière-Appalaches. Et ils ont refait une étude plus approfondie pour réaliser, au bout du compte, que les producteurs ne sont pas prêts nécessairement à faire des centaines de kilomètres pour aller sur les lieux de transformation. Ce qui est ressorti, c'est que dans un rayon de 35 à 50 kilomètres autour du lieu de production, il fallait qu'on retrouve un centre de transformation, donc un centre de proximité. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a... il s'en est pas fait un pour Chaudière-Appalaches. Donc, nous, on est reparti avec notre idée, puis on s'est dit, bien, on va autour de notre région, dans un rayon de 50 km, évaluer les besoins pour un tel centre. Et c'est là que notre projet a commencé à se mettre en forme.
Donc, ce centre de transformation-là, il va servir directement aux producteurs. Oui, exactement. Uniquement aux producteurs ou... Bien, en fait, il pourrait servir aux producteurs agro-transformateurs ou peut-être éventuellement à des entreprises qui voudraient lancer des produits à partir des productions de chez nous. Okay. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je serais prêt à faire... Je prends l'exemple d'une entreprise qui fait actuellement des gelées, des confits. Bien, elle n'est pas productrice, mais elle achète les produits locaux. Et elle en fait des produits. Okay. Fait que ça aussi, c'est une avenue qui peut être très intéressante. Ça peut être intéressant aussi même pour des restaurateurs. Mm-hmm. Tu sais, il y a des restaurateurs qui vont développer des produits, qui mettent en marché une sauce qu'ils ont concoctée, qui est très appréciée, puis ils veulent la lancer sur le marché. Bien, c'est des espaces, des équipements qui pourraient leur servir aussi. Fait que il y a toutes sortes d'avenues possibles. Ce centre-là pourrait servir aussi pour des formations en transformation. Donc, il n'y a pas actuellement de lieu où qui répond aux normes pour offrir des formations de cette nature-là. Alors, ça pourrait permettre d'offrir des formations au centre. Alors, il y a plusieurs utilisations potentielles qu'on pourrait faire du centre de transformation agroalimentaire. Puis, son utilité, dans le fond, c'est de développer des produits locaux, de les mettre sur le marché. Exactement. C'est vraiment l'objectif principal du centre de transformation. Oui. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres au Québec? Est-ce que... des centres de cette nature-là, est-ce qu'on est les premiers? Est-ce qu'on est différent de ce qui existe? En fait, il y en a quelques-uns. On en a visité, mais ils étaient vraiment à échelle variable. C'est-à-dire qu'on est allé visiter en premier le Centre de développement bioalimentaire du Québec, le CDBQ à l'Apocatière, ce qui est énorme. C'est une formule d'incubateur qu'ils ont. Alors, on a beaucoup appris d'ailleurs de cette visite-là. Par contre, on trouvait que c'était beaucoup trop gros pour nos besoins. D'ailleurs, eux autres sont aussi un centre de recherche en même temps. Mmh. Alors, on s'est quand même inspirés. Ils nous ont donné beaucoup d'informations. On est allé visiter par la suite un centre de transformation, le CITAN à Nicolet. Le CITAN, c'est justement un centre de transformation qui devait desservir toute une grande région administrative. Et la façon dont il fonctionnait, c'est-à-dire c'est que chaque agro-transformateur devait avoir son propre permis. Il y avait des locations, c'était sur des longues périodes. Et nous, ça ne correspondait pas à l'ampleur de nos entreprises. Les entreprises en ont besoin de façon beaucoup plus... c'est des courtes périodes, mm-hmm. selon la saison de production. Donc, on ne pouvait pas se permettre de penser à des locations sur des années complètes. Et réserver ces espaces-là pour un ou deux producteurs. Fait qu'on a quand même trouvé qu'ils avaient des points intéressants. Ils nous ont appris encore là beaucoup. Mais à partir de ces visites-là, et on en a visité un troisième, d'ailleurs, un plus petit, dans la région de Charlevoix, à Clermont. Je pense que c'est celui qui nous a le plus... qui a plus collé à notre vision des choses, parce que c'est une région, encore là, où il y a beaucoup de plus petits producteurs. Et ils avaient trouvé une formule hybride, je dirais, intéressante en termes de location, fonctionnement. Alors, on a trouvé que c'était encore plus inspirant, celui-là, parce qu'il était plus à notre échelle. Donc, c'est les trois qu'on sait qui existent, qui sont plus de nature, je dirais, collective, là, de partage d'espace et d'équipement. Alors, ça nous a beaucoup, beaucoup appris. Mais nous, on a ramassé le meilleur de tout ça, puis on a concocté notre projet à notre couleur locale ici. Là. Alors, c'est pas quelque chose qui est très commun là, au Québec, là, des centres de transformation agroalimentaire. Non. On va vraiment se distinguer avec... Oui, il y en a au privé, des gens qui vont louer des transformateurs plus importants, qui vont louer des espaces, sauf que... C'est, je veux dire, le producteur, lui, il doit remettre ses produits, sa recette, puis c'est cette personne-là qui le fait. Ce n'est pas le même type d'usage qui est fait dans ces centres-là. Mais nous, on n'en avait pas ici dans la région qui répondait même pas au privé. Alors, c'est pour ça que le projet qu'on est en train de finaliser là, a vu le jour.
Quand tu disais là, que dans la région de Charlevoix, c'était vraiment axé sur les petits producteurs, j'imagine que c'est un portrait là, de la MRC. Là. Ça a sûrement sorti dans le plan de développement. On a beaucoup de... Ça veut dire qu'on a beaucoup de petits producteurs ici dans la région? Ou, plus, c'est des producteurs qui sont, tu sais, je pense, dans les petits fruits. On l'a vu dans le portrait, là. C'est pas des grands espaces pour faire des productions de grande masse. Mm-hmm. C'est plus à petite échelle. Mais il y a moyen, puis c'est là le centre qui est intéressant, c'est que ça donne une valeur ajoutée à ces produits-là. Tu sais, on pense à une entreprise qui est dans le sureau, versant du sureau. Ils ont su exploiter ce produit-là de façon très, très spécifique, autant pour les nutraceutiques et toutes ces... que pour les produits transformés, vinaigre balsamique, gelé, etc. Mais c'est ce qui est vraiment enrichissant pour un producteur. Et c'est là que notre centre pourrait permettre justement cet enrichissement des petits producteurs qui n'auraient pas les moyens de faire autrement. Là. Alors, c'est là qu'on pense que notre économie en bénéficierait beaucoup. Et qui sait, il y a certains de ces produits-là qui pourraient se... Tu sais, ils vont se vendre possiblement à grande échelle. Là. Okay. Les frontières ne sont pas fermées. Une fois que tu as transformé ici, bien sûr, on va essayer de le valoriser, que ça soit vendu chez nous. Mais ça peut se vendre à grande échelle. On pense à Biodélice qui vend à l'international. Versant du sureau, ces marchés sont ouverts actuellement. Fait qu'il y a beaucoup de beaux exemples comme ça qui démontrent que notre région pourrait rayonner avec des productions très spécifiques, mais auxquelles on donne cette valeur ajoutée-là. Surtout que l'importance du secteur agricole est très lourde, hein, est très présente. Oui, hein? 70 % des terres agricoles dans la région. Oui, tout à fait. Bien. Je veux dire, la façon dont seront accompagnés les utilisateurs, tu sais, je veux dire, tout à l'heure, tu disais qu'il allait avoir de la formation, que toutes les réglementations du MAPAC seraient vraiment respectées au sein de du transformateur. Donc, la façon dont on va accompagner les transformateurs, bon, j'arrive, ce matin, j'arrive, là, j'ai de la pointe de bœuf, je veux faire du smoke meat. Mm-hmm. OK? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Bien, en fait... Dans le fond, c'est qu'on va, se parler de... Est-ce que tu as des recettes prévues? Est-ce que tu sais comment faire ta transformation? Est-ce que tu connais les règles entourant ce type de transformation-là? Parce que dans les viandes, c'est très particulier aussi. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Tout au cours de ce processus-là, comme je te le disais, il va y avoir du référencement. Si il y a lieu de faire intervenir un spécialiste, on va te guider là-dedans. T'sais, on va avoir vraiment toutes les réponses pour que tu puisses faire cheminer ton projet pour qu'il arrive à terme. Ensuite, bien, ça va être la question, bon, une fois qu'on a dit ça, que tu as trouvé toute la façon de transformer ta viande, bien, après ça, ça va être l'utilisation du centre comme tel, la préparation du produit pour qu'il soit mis en marché. Puis qu'il réponde aux normes. Dans le qu'il réponde aux normes tout le long. Parce qu'on veut vendre à l'épicerie. Là, exactement, okay. C'est ça, exactement. Et après ça, bien, c'est ta mise en marché. Puis à travers ça, il y a toute la notion aussi du plan d'affaires. Parce que, tu sais, tu dis, je me lance avec du smoked meat, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a un marché pour des smoked meat avec des propriétés particulières, etc.? Donc, le plan d'affaires, à ce moment-là, on fait intervenir des partenaires. L'espace entrepreneuriat E2RT va pouvoir aussi servir les agro-transformateurs. Fait que toutes les ressources qu'on a localement ou qu'il faut aller chercher à l'extérieur, on va les mettre à profit pour qu'au bout, ton smoked meat bien, se vende et puisse permettre à ton entreprise de se diversifier, puis que toi, tu puisses, comme productrice, avoir des meilleurs bénéfices. Parce que il y a souvent un défi là. Hein? Des petites productions veut dire souvent, malheureusement, petits revenus. Oui. Des producteurs qui sont obligés d'occuper deux, trois travails parallèles. Alors, ce que nous, on vise, c'est que ça puisse faire des entreprises solides puis que les propriétaires en puissent en vivre aussi. Et aussi que notre économie, localement, qu'on puisse être fier d'avoir des produits faits chez nous. T'sais, on est un peu dans cette mouvance-là où on veut de plus en plus acheter des produits ici, chez nous, au Québec, ou
Et dont on connaît aussi ce que ça contient, les qualités, dans quel contexte ça a été produit, est-ce on que veut c'est savoir santé, ce qu'on mange, hein? Oui, exactement. Puis c'est un peu cette économie-là qu'on veut générer aussi localement. OK. C'est qui va être propriétaire de ce centre de transformation-là? Ça va appartenir à qui? En fait, on va créer un organisme à but non lucratif qui va en être un propriétaire collectif. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont représenter différents secteurs, qui vont siéger sur le conseil d'administration, qui vont en être membres, dont des agro-transformateurs, bien sûr, qui vont avoir leur place, leur mot à dire. Et donc, c'est cette organisation-là qui va gérer le centre de transformation parce qu'on veut que ça demeure un outil collectif, comme je le mentionnais, et qu'il puisse, en fait, répondre aux besoins de notre communauté, que ça appartienne, en fait, à notre région. Fait que là, est-ce que le financement est là? À quelles étapes vous êtes rendu là, de la création du centre de transformation agroalimentaire? En fait, ça fait plusieurs années qu'on y travaille, mais... Là, le plan d'affaires il est complété. Mm-hmm. On a présenté ce plan d'affaires-là pour une demande de financement. Et le bailleur de fonds nous a demandé d'approfondir un peu notre étude de marché, c'est-à-dire dans notre rayon de 50 km autour de Thetford, parce qu'on veut le localiser à Thetford Mines. Donc, dans ce rayon de 50 km-là, ils veulent qu'on aille plus en profondeur, sonder les producteurs, les futurs agro-transformateurs. Et on est à cette étape-là où on vient d'embaucher une firme pour effectuer cette étude-là. Donc, ça va comme permettre aux bailleurs de fonds d'être certains que les argents qu'ils vont donner, parce que c'est sous forme de subvention qu'on l'a demandé, bien que ces argents-là, on est certain que ça va produire des résultats et que le centre va pouvoir s'autofinancer parce que c'est toujours ça. Et il faut viser l'autofinancement de ce centre de transformation-là. Donc, il faut être certain qu'on a des revenus réguliers qui vont entrer parce qu'il va y avoir des coûts de location à tout ça. Fait que c'est un peu de ça qui veut être garanti. On avait une étude de marché, mais elle était plus générale. Là, ils veulent quelque chose de beaucoup plus spécifique. Fait qu'on on entre dans cette phase-là de faire une étude. Puis ça vise le territoire de notre MRC, mais de toutes les MRC avoisinantes, parce que le rayon de 50 km nous fait déborder sur autant du côté du granit, de l'érable, bois franc, les Beauces, Lotbinière. Donc, toutes les MRC qui nous entourent, bien, les producteurs vont pouvoir en profiter aussi. Puis nous, ça assure que le centre de transformation va pouvoir s'autofinancer. Parce que tu me disais qu'il y avait déjà eu une étude un petit peu plus générale, de fait. Est-ce qu'on a des particularités dans nos productions ici? Est-ce qu'il y a des... Parce que je veux dire, tu sais, j'habite pas la MRC depuis très, très longtemps, mais il me semble que le développement, l'agrotourisme... Tu sais, je veux dire, il me semble que c'est une petite région oubliée, tu sais, ou notre MRC, une petite région un peu oubliée, hein? On n'a pas énormément de tourisme, on n'a pas énormément de... Est-ce qu'on a vraiment tous les produits pour vraiment s'illustrer? Tu sais, on pense à la route des vins en Estrie. Oui. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un moyen, un centre de transformation, de nous faire surgir, hein? De nowhere, comme on pourrait... Bien, moi, je pense qu'on se donne des bonnes chances. Oui. On se donne des chances parce que, si... dans le fond, quand un producteur se lance... il veut, puis c'est vrai dans le secteur agroalimentaire, mais ça l'est dans tous les domaines aussi, c'est il veut être assuré qu'il y a des débouchés à son produit. Donc, et pour se rendre sur le marché, il y a une série d'étapes, puis parfois, il y a des obstacles. Ce centre-là, ça va permettre de débloquer, je dirais, un des obstacles qui était souvent nommé, et ça va permettre à des gens de se lancer en affaires de façon plus certaine, je dirais. Et en même temps, on va pouvoir encourager des productions dans des nouveaux domaines. T'sais, on parle souvent de la production de petits fruits, des petits fruits qui sont peut-être moins connus, mais les gens qui vont se lancer là-dedans, ils investissent des sous. Ils veulent savoir qu'ils vont prendre les argents qu'ils ont pour leur production, mais s'ils n'ont pas accès à la transformation, ça limite les débouchés pour leurs produits. Alors, tu peux le vendre frais, mais ce n'est pas le marché le plus payant. Il faut que tu jumelles
différentes stratégies. Ça peut être de l'agrotourisme, ça peut être des produits transformés, ça peut être de la vente à la ferme, aller au marché public. Fait que il faut offrir toutes ces possibilités-là. On a un marché public à Thetford, mais on commence à en avoir dans les municipalités avoisinantes. Il commence à avoir une demande importante. Puis plus les gens goûtent à ces produits-là, plus ils ont goût. Hein? Et c'est comme ça que le centre de transformation, à mon avis, va être vraiment une valeur ajoutée pour tout le secteur agroalimentaire de notre territoire. Rapidement, parce qu'il nous reste juste 2 minutes, des partenaires, j'imagine qu'il y en a plusieurs dans le projet. Puis, si tu peux me les mentionner et me dire un petit peu quand est-ce qu'on a l'ouverture de notre centre de transformation et à quel endroit, on pourrait conclure là-dessus. C'est bon. Alors, les partenaires qui travaillent sur ce projet-là, bien sûr, il y a nos élus de la MRC, parce que à partir du moment où ils ont voulu réaliser un plan de développement de la zone agricole, bien, ils ont aussi voulu collaborer à la mise en place des différents projets qui sont envisagés. Donc, les élus sont présents, l'Union des producteurs agricoles, bien sûr, qui étaient là depuis la première heure. Il y a aussi la Société d'aide au développement des collectivités, comme la SADC, comme je l'ai nommé tantôt, le Cégep, la Commission scolaire, nous, bien sûr, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, je vois toujours avec les diminutifs, mais le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires municipales collaborent aussi au projet. Alors, il y a vraiment le marché public qui est intéressé aussi. Donc, il y a des producteurs qui sont aussi partenaires. Et ce projet-là, ce qu'on envisage, c'est que, bon, on est en cours d'étude. On espère faire ça dans la première partie de 2017 pour ensuite pouvoir déposer les résultats. Et on espère ce projet-là qui puisse commencer à se mettre en place en 2018. Donc, c'est notre échéancier. On espère bien pouvoir l'offrir à nos agro-transformateurs en 2018. Bien, merci beaucoup, Carole. Ça a été très intéressant. On a hâte à 2018. Bien, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve bientôt pour une autre émission de l'agroalimentaire chez nous en Appalaches. Merci beaucoup.